C'est sous l'égide des directives de l'Union africaine en 2009 qu'il a été recommandé à tous les pays, à chaque pays de l'Union africaine, de mettre en place un réseau de femmes sciences et technologies pour promouvoir la science au niveau de Niamey. Nous avons été au contact des filles du collège. Pourquoi le collège? Parce que c'est à partir du collège qu'on prend l'orientation scientifique. Nous avons également été à Tillabéri pour rencontrer toujours les filles du collège. En plus de ça, nous encourageons les filles, dans la mesure de nos moyens et avec l'aide de nos partenaires souvent, nous avons eu à encourager, à financer des bourses de master pour des jeunes femmes qui veulent, donc qui souhaitaient continuer donc tenir de faire des masters à l'étranger. C'est dans le domaine de l'alimentation et de l'environnement, de la nutrition, oui, de la transformation agroalimentaire. Et donc en plus de ces jeunes femmes, nous avons parrainé le dossier d'une de nos collègues au concours international de la BID à Dubaï. Studio.